Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Cirque d'hiver Bouglione. Merci d'être aussi nombreux pour cet événement exceptionnel. Face à face, experts, entretien, des idées et des arguments de la démonstration, c'est pour vous ce soir. Bienvenue à la grande confrontation de Livre Noir. Il est fondateur de Livre Noir, directeur de la rédaction. Merci d'accueillir Monsieur Eric Tegner. Merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir. Merci vraiment d'avoir répondu à notre appel. Je vais faire un bref mot introductif. J'ai vraiment rien préparé, je voulais juste essayer de vivre le moment un peu avec vous, parce que pour nous, c'est une véritable émotion au sein de notre équipe, parce que c'est la première fois qu'on va pouvoir rencontrer aussi notre audience, notre public, et ça correspond aussi à des semaines de travail. Vous l'avez vu, on a lancé un magazine, et maintenant cet événement, et c'est pour ça que, avant tout, avant de commencer, j'aimerais que vous applaudissiez très fort l'équipe de Livre Noir. Alors vous savez, c'est assez rare en fait qu'on passe du digital au papier. En règle générale, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on dit que les médias papier périclitent et qu'il faut absolument partir uniquement vers le digital. Et pour nous, en fait, ce jour, on s'est rendu à l'imprimerie où on a vu ce papier sortir, devenir enfin réel. Ça nous a vraiment marqué en fait. Et c'est pour ça qu'on est très fiers d'avoir pu vous présenter. Certains l'ont déjà reçu, d'autres l'ont vu à l'accueil de cet événement, notre nouveau magazine. Et ce magazine, en fait, pourquoi j'en parle, c'est parce qu'il incarne un peu la ligne de Livre Noir et ce qu'on souhaite faire. On souhaite, chez Livre Noir, s'adresser à toutes les sensibilités de la droite. On a consacré une où on voit des personnalités aussi bien Jordan Bardella, du Rassemblement National, Éric Zemmour, de Reconquête, David Lisnard de LR. On a également consacré différents reportages à d'autres mouvances de droite. Et pour nous, ça compte inévitablement chez nous. Depuis le début, à chaque fois qu'on a reçu des personnalités, on a essayé d'avoir une forme de diversité. Alors c'est vrai, à gauche, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Certains parfois nous disent, mais pourquoi vous n'avez pas invité telle personne? Comme s'il suffisait de les appeler. Et c'est ça aussi que je veux passer comme mot ce soir. Je suis très heureux qu'on ait un ensemble de débatteurs qui ont accepté cette confrontation. Et pour rien vous cacher, jusqu'au dernier moment, jusqu'à il y a une heure, j'étais pas certain que tout ça se fasse. Parce qu'organiser un débat, c'est un exercice extrêmement compliqué. Il faut à la fois essayer de rendre un peu compatibles les divergences, d'avoir des sensibilités différentes, d'aborder aussi les personnalités politiques d'une certaine façon. Ça, c'est passionnant, on aime beaucoup ça, mais c'est extrêmement compliqué. Alors j'aimerais qu'on applaudisse tout simplement d'autres personnalités qui sont venues ici ce soir, notamment celles qui ne viennent pas en terrain ami, j'ai envie de dire, comme Carl Orive, qui est député de Renaissance. Alors en revanche, c'est vrai, je dois vous le dire, on a une grande déception ce soir. Cette déception, c'est qu'on devait initialement organiser un débat avec François Bellamy face à un contradicteur. Ce débat, c'était le premier qu'on avait fixé, le premier qu'on avait annoncé. Mais malheureusement, quelques jours après l'annonce de ce débat, il y a eu l'invasion de l'Artsakh en Arménie. Et donc, plus de contradicteurs en face. Donc ce que j'aimerais, c'est remercier François-Xavier Bellamy qui nous a donné sa confiance dès le début, qui nous la maintient et qui s'excuse de ne pas être ici ce soir. J'aimerais aussi justement en profiter de féliciter et de remercier toutes ces personnalités politiques qui, ces derniers jours, et elles sont rares, soutiennent justement l'Arménie dans son combat face à l'Azerbaïdjan, et je pense qu'on peut les applaudir.
Alors que maintenant, j'ai tenu un discours plutôt équilibré, on va parler d'immigration. Pourquoi on a voulu parler d'immigration dès le premier thème ? À chaque fois, vous savez, lorsqu'on aborde ce sujet, notamment dans les facs ou les universités, on est tout de suite taxé d'extrême droite. Récemment, je débattais sur Sud Radio et je voyais un homme de gauche qui, vous savez, à gauche, à chaque fois, il parle de démocratie participative. Et bizarrement, parler d'immigration et de consultation du peuple, ça n'arrive jamais. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est vous montrer un sondage qu'on a réalisé dans notre magazine, un sondage avec l'IFOP. On a essayé de tester des propositions dures, comme l'abrogation de l'accord franco-algérien de 1968, comme l'expulsion des délinquants étrangers. Et en fait, je n'ai absolument pas besoin de commenter. Au début, je devais faire 10 minutes sur ce sondage, mais je pense que montrer ces slides suffit très largement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la question de l'immigration, ce n'est plus un clivage gauche-droite salé d'un point de vue politique, mais pas au niveau des Français. Et c'est ce que je voulais vous dire aussi ce soir. Non, nous ne sommes pas minoritaires, au contraire, nous sommes majoritaires. Alors, et après, je vais laisser démarrer cette grande confrontation. Vous allez, au cours de cette soirée, voir des débats, des personnalités se confronter. Vous allez également, pour la première fois, assister à un entretien sur le fauteuil rouge de Livre Noir. Pour nous, c'est une véritable émotion. Mais pour conclure, je vais tout simplement vous laisser sur ces quelques images. Livre Noir. Oui, ce sera Livre Noir. Quel meilleur nom que celui-ci, si proche de ce qu'étaient nos ambitions, celle de contribuer à la vie politique et médiatique du pays, celle de traiter des sujets dont personne ne parle ou dont on ne parle qu'en écumant les mêmes mensonges au service des mêmes soumissions. Livre Noir, c'était l'ambition de réaliser de longs entretiens, de faire parler ces personnalités politiques, ces journalistes, ces experts et autres artistes. D'où nous parlez-vous ? À qui parlez-vous ? Pourquoi leur parlez-vous ? Qu'avez-vous fait, vu, entendu ? Livre Noir, c'était l'ambition de parcourir la France, de parcourir le continent, de se rapprocher toujours plus près des réalités qui nous touchent, qui nous bouleversent, qui nous révoltent. L'ambition de proposer quelque chose de nouveau, à l'heure où la défiance vis-à-vis des médias traditionnels grandissait. Et nous l'avons fait. Car Livre Noir, c'est la volonté d'agir, concrètement, devenir acteur et non plus uniquement spectateur, montrer ce qui ne sera pas montré, faire parler les pestiférés, les moins que rien, les oubliés. Avec Livre Noir, nous continuerons à parcourir la France et le monde. Nous irons là où vous n'êtes jamais allés et où peu de gens vont. Nous vous embarquerons avec nous. Vous verrez nos images, nos éclairages, mais jamais aucun dictat, jamais aucune injonction à dire, à faire ou à penser. À Livre Noir, ils parleront ou nous parlerons. Mais nous serons là, vous serez là. Quand ils nous attaqueront, nous répliquerons. Quand ils nous insulteront, nous vous regarderons. Car en vous regardant, on comprend. On comprend que la volonté qui nous meut n'est autre que celle de la vérité. Et nous continuerons à avancer. Car Livre Noir, désormais, c'est une équipe qui ne renoncera pas. Une équipe dévouée, qui fait face et qui refuse d'être malmenée. Et ainsi, aujourd'hui, Livre Noir est là. Nous occupons le terrain, les réseaux sociaux, les kiosques et les plateaux. Et demain, grâce à vous, nous demeurerons. Pourquoi ? Car Charles Péguy disait « Il faut toujours dire ce que l'on voit, mais il faut surtout, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » Sur Livre Noir, nous vous dirons toujours ce que nous avons vu. À vous de voir ce que vous voyez. »